Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Aujourd'hui au programme, on s'intéresse à l'actualité de l'Union européenne. Et pour en parler, je suis avec François Asselineau. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. On est 6 semaines après les élections européennes. Les eurodéputés nouvellement élus ont siégé pour la première fois mardi. Mais l'étape cruciale de ce début de mandature, c'est évidemment le choix des différents membres de la Commission européenne. Et c'est une étape qui a duré plutôt longtemps. Et avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder quelques secondes d'Emmanuel Macron à la sortie de la première réunion. Notre crédibilité est profondément entachée avec ces réunions trop longues qui n'aboutissent à rien. Nous donnons une image de l'Europe qui n'est pas sérieuse. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette réaction d'Emmanuel Macron ? C'est-à-dire que c'est un panier de crabes. Bon, c'est un panier de crabes. Et puis Macron, il est là, et comme un enfant gâté. Il a des exigences. Et puis il s'étonne qu'il y a 27 autres États qui ne partagent pas ses points de vue. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que ce sont les mêmes qui se ghostent, ce qui serait très difficile de faire le Brexit au Royaume-Uni, et qui sont incapables de faire quoi que ce soit en Europe pendant des mois, pendant des jours et des jours, alors que c'est beaucoup plus simple de choisir une personne plutôt que de sortir de l'Union européenne. Moi, ce que je vois dans ces affaires sur la question européenne, c'est que j'espère que les Français comprennent ce qui se passe, même si c'est compliqué. On a vraiment affaire à quelque chose qui est de nature soviétoïde, la fin de l'Union soviétique. On a affaire à une construction qui est totalement antidémocratique. Parce que rappelez-vous, vous avez dit qu'il y a 6 semaines, les Français ont voté pour les élections européennes. Ils ont voté en croyant tel ou tel parti politique, en croyant que chaque parti pour lequel il avait voté allait mettre en œuvre son programme. Mais une fois que tous les députés ont été élus, malheureusement nous n'avons pas eu de députés, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça, on met ça de côté, et après les dirigeants passent aux choses sérieuses. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de nommer à la tête de certaines institutions européennes des personnes en fonction de critères qui n'ont absolument aucun rapport, ou très peu de rapport en tout cas, avec les élections qui viennent d'avoir lieu. Vous savez ce qui s'est passé, c'est d'ailleurs même le contraire. Normalement, le président de la Commission européenne aurait dû être un Allemand de la CSU, du parti bavarois qui est allié à la CDU de Mme Merkel, qui s'appelait Manfred Weber. Et du groupe majoritaire. Voilà. Pourquoi c'était lui qui aurait dû être élu? Parce qu'il y avait un système qui avait été élaboré à partir d'une recommandation de la Commission européenne du 12 mars 2013 qui visait, écoutez bien, à améliorer la transparence et la démocratie du fonctionnement de l'Europe. À l'époque, François Hollande, le président de la République, que vous aimiez beaucoup, s'était enorgueilli de ça. C'était, paraît-il, une avancée démocratique. Ça consistait en quoi? Ça consistait à ce que les partis politiques européens, les groupes européens, le PPE par exemple au Parlement européen, qui regroupe des partis comme les Républicains et puis ses homologues dans les autres, la CDU par exemple en Allemagne. – Et Orban, le parti d'Orban. Voilà, – Exactement. Avant les élections européennes, ils désignaient leur, ce qu'on appelle en allemand Spitzenkandidat, c'est-à-dire la tête de liste, qui serait la personne qui deviendrait probablement le président de la Commission européenne si le parti avait le plus de voix. Donc normalement, c'était Manfred Weber, l'Allemand, qui aurait dû être nommé président de la Commission européenne. Sauf que M. Macron ne l'a pas entendu de cette oreille. Alors on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, on ne sait pas exactement. Il a dit que Manfred Weber n'avait pas l'expérience nécessaire. Bon, lui, il a été élu président de la République à 38 ans. Il n'avait jamais été élu à quoi que ce soit auparavant. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. En attendant, donc, Macron a fait une crise de nerfs. Il ne voulait pas de Manfred Weber. D'où, effectivement, ces pourparlers qui ont mené à quoi? Qui ont mené à ce qu'on a sorti d'un chapeau une dame, à Madame von der Leyen, qui est l'actuelle ministre de la Défense allemand. Et cette dame ne s'était pas présentée à aucune élection européenne. Elle a été élue dans des élections nationales, mais elle ne s'est jamais présentée aux élections européennes. Elle est de la CDU. Madame Merkel, elle est proche de Madame Merkel. Je crois qu'elle a fait l'intégralité du mandat de Madame Merkel. L'intégralité dans différents, voilà, le travail, la famille, pas la patrie, mais la défense. Bon. Alors, c'est d'abord, ça fait scandale en ce moment à Berlin.
Parce que la CSU, qui voit le bill passer sous le nez, le poste, dit ben, « c'est scandaleux, c'est antidémocratique, on avait convenu de quelque chose ». Les socialistes du SPD sont furieux parce qu'ils disent que c'est une atteinte très grave à la démocratie. Ils menacent ces jours-ci, d'ailleurs en ce moment, je pense pas que ça va aller trop loin, mais ils menacent de quitter la grande coalition, c'est-à-dire que Mme Merkel pourrait chuter sur cette affaire. Mais le pompon, si j'ose dire, de ça, c'est que je voyais dans la presse qu'on va maintenant s'intéresser à la vision que Mme von der Leyen a de l'Europe. Elle va nous exposer ce qu'elle veut faire comme... Enfin, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire elle ne s'est pas présentée aux élections et c'est elle qui va avoir un poste président de la Commission européenne. Il faut que tous les auditeurs le comprennent bien, hein, qui est plus important, nettement plus important que président de la République française. Et cette femme n'a été élue par personne. Elle a été, comme ça, choisie. Alors. Bon, faut être honnête, elle remplace Jean-Claude Juncker aussi. Oui, c'est vrai. Personne ne voulait d'un deuxième mandat de Jean-Claude Juncker. C'est certain. Il avait trop de sciatique, vous savez. Donc, il fallait. Mais alors, ce qui est très important dans cette affaire, c'est que. On dit en France, oui, Macron a gagné, puis il a réussi à placer Madame Christine Lagarde à la tête de la Banque Centrale Européenne. Ce sont deux femmes. Je l'avais prévu d'ailleurs. J'avais fait une vidéo sur mon site, c'était à la fin juin. J'avais prévu que Madame Lagarde pourrait peut-être être présidente de la Commission Européenne. J'avais pas pensé qu'elle pourrait être à la BCE, mais enfin, c'est à peu près du pareil au même. Et j'avais prévu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on dit, c'est formidable, ce sont des femmes, un triomphe Macron. Non. D'abord, le fait que ce sont des femmes, excusez-moi, Élise, mais. On s'en fiche, c'est pas le problème. C'est le problème, c'est la politique qu'elle va mener. Deuxièmement, même si on peut se réjouir d'une façon générale qu'il y ait une féminisation des postes, que ça soit plus conforme à l'esprit du monde d'aujourd'hui. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est de savoir quelle politique elles vont mener. Madame Lagarde, c'est une femme qui est une Américaine, en fait. Alors, donc à la tête du FMI. Elle a été à la tête du FMI, mais auparavant, elle a fait, vous savez, elle a tenté l'ENA, elle ne l'a pas réussi. Elle est ensuite partie outre-Atlantique quand elle était étudiante. Elle a passé toute sa vie aux États-Unis. Elle a été amie de Dick Cheney, qui est l'ancien vice-président des États-Unis, amie de Zbigniew Brzezinski, enfin de l'establishment américain, hein, de l'establishment notamment républicain. Et elle a, ou démocrate d'ailleurs, s'agissant de Brzezinski, elle a fait sa carrière au sein d'un cabinet qui s'appelle Baker McKenzie. Elle a été membre d'organisations comme le comité des affaires stratégiques, etc. Elle a été membre des lobbies de l'industrie militaire. Lorsqu'elle a été nommée au gouvernement français, rappelez-vous, brutalement comme ça d'un seul coup, on ne savait pas pourquoi. Moi, j'étais à l'époque, c'était au milieu des années 2000, j'étais à l'époque à Bercy, j'ai eu un appel téléphonique d'un grand patron français. J'étais censé m'occuper d'intelligence économique. Et qui me téléphone et qui me dit « Mais vous avez vu qui c'est que vous avez nommé au gouvernement français ?» Alors je lui dis « Écoutez, moi j'ai rien nommé du tout, moi je suis qu'un fonctionnaire. » Il dit « Mais vous savez qui est Madame Lagarde ?» Ben j'ai dit « Ben non ». Il me dit « Comment vous êtes censé vous occuper d'intelligence économique et vous ne savez pas qui est Madame Lagarde ?» Je dis « Mais écoutez, monsieur... » Enfin, j'avais appelé par son prénom, mais je le connaissais assez bien. J'ai dit « Mais moi, je ne suis pas... on n'a pas demandé mon avis, je ne sais pas. » Et il m'a dit « Mais cette femme est complètement dans la main des Américains. Tout le monde le sait. » Tout le monde le sait. Donc, ouais, c'était qui ce grand patron alors ? Je vous dirai en off. C'est vrai, je ne raconte pas Boba. Tant pis pour vous. je ne raconte pas Boba. Mais peut-être qu'un jour je le dirai si on me cherche une oise. Je dirai d'autres choses aussi, parce que je sais aussi ce que l'on sait sur Madame Lagarde dans certains cercles. Bon. Madame Lagarde, cette femme en fait, qui d'ailleurs a été. Elle devrait être en fait en prison, cette dame. Elle a été condamnée. Il y a quand même eu la Cour de justice de la République qui s'est réunie sur l'affaire Tapie. Il y a 400 millions d'euros des contribuables qu'elle a laissé filer, paraît-il par négligence. Bon, excusez-moi, négligence. Elle n'était peut-être pas au cœur de l'affaire finalement. Elle s'en est pas occupée directement. Attendez, elle était ministre. C'est elle qui s'en était occupée directement ou négligence. Elle a dit qu'elle. Moi, je n'y crois pas. Je connais l'intérieur. Sur une affaire de cette nature, ça n'est pas possible. Je cite dans les pays anglo-saxons. Cette dame aurait eu sa carrière brisée et aurait certainement été condamnée à de la prison. Elle a été reconnue quand même coupable par la Cour de justice de la République, mais sans peine. C'est quand même incroyable. De la même façon qu'elle ne paye pas d'impôts, etc. Donc cette dame, en réalité... D'ailleurs, vous savez qu'en ce moment, dans les journaux anglo-saxons, et notamment en Allemagne, on lui fait pas les louanges que l'on croit faire en France. Mais dans un cas comme dans l'autre, que ce soit Mme von der Leyen ou que ce soit Mme Lagarde, ce sont en fait des Américaines ou des ultra-Américaines. Mme von der Leyen a passé 4 ans de sa vie aux États-Unis à l'université de Stanford. Elle a publié le 18 janvier dernier une tribune, enfin plus euro-atlantiste, plus atlantiste que moi, tu meurs.
elle est complètement dans la main, dans la stratégie, dans la géopolitique des États-Unis d'Amérique. Donc les Français qui se satisferaient de voir Madame Lagarde nommée à la tête de la BCE auraient bien tort. Le fait que ce soit une femme, tout le monde s'en fiche. Enfin, moi, je m'en fiche. Mais ce qui est important, c'est quelle est la politique qu'elle va faire. La politique, c'est la politique, en fait, souhaitée par l'oligarchie financière qui l'a nommée là. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'on a affaire à une affaire, ces élections européennes, c'est un théâtre d'ombre. Ça n'a eu aucun impact sur la suite des événements. On l'a même vu, c'est même encore pire que ce que je viens de vous dire. Vous avez vu que le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, enfin le haut représentant pour la politique, c'est M. Josep Borrell, qui est un Espagnol, qui lui est très à gauche. Il est, lui, assez critique notamment de la politique américaine en Iran. Pourquoi pas ? Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est en période de cohabitation, en fait. C'est-à-dire vous avez la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, qui est une ultra-atlantiste. Elle est flanquée d'un socialiste qui, lui, est plutôt assez à gauche et plutôt réservé sur les États-Unis d'Amérique. Vous avez le président du Conseil européen, Charles Michel, qui d'ailleurs a été battu aux élections en Belgique. Donc il méritait un prix. Et voilà, donc exactement, parce que par ailleurs, il y a ça. Mme von der Leyen ne s'est présentée à aucune élection européenne. Mme Lagarde, elle s'est présentée une fois aux élections, c'était au municipal à Paris. Elle s'était présentée dans le 12e arrondissement, alors qu'elle était, je crois, ministre. Elle s'est ramassée une veste extraordinaire, alors qu'elle était membre du gouvernement. Et puis après, elle ne s'est plus jamais présentée à aucune élection. Monsieur Charles Michel, donc, qui était Premier ministre belge, il a perdu les élections. Depuis le mois de décembre, il est chargé d'expédier les affaires courantes. Et donc lui, c'est un libéral. C'est plutôt version Macron. Voilà. Et puis alors, le dernier de ces choix qui, paraît-il, attiraient l'attention de tout le monde, c'est le choix du président du Parlement européen qui s'est porté donc sur un monsieur qui s'appelle M. Sassoli, qui était l'équivalent de... Italien. Voilà, un Italien, qui était l'équivalent de Claire Chazal. Il présentait le 20h sur la grande... – Moins séduisant. Enfin, moins Claire Chazal, voilà, mais... – Oui, bon, alors bref, mais enfin, c'est quelqu'un qui est connu pour ça, si vous voulez, pour avoir été un présentateur de télé. Et il est connu également parce que lui, c'est un... Enfin, il est très hostile à Salvini, c'est la bête noire de Salvini. Bon. Alors, il a d'ailleurs été élu au Parlement européen par une coalition avec notamment En Marche les Républicains. Le parti de M. Bellamy, qui a donc fait alliance avec le parti de Mme Loiseau et de M. Macron pour promouvoir ce M. Sassoli, qui est certainement quelqu'un de bien, je ne sais pas, mais en tout cas qui est un ultra-européiste et qui est la bête noire de M. Salvini, alors que les électeurs italiens ont plébiscité Salvini. C'est-à-dire que à Bruxelles, les politiques qui sont décidées sont des politiques qui sont rejetées par les peuples, par les urnes. Charles Michel est battu, toc, qui devient président du Conseil européen. Sassoli ne représente pas grand-chose en Italie, sauf qu'il a une aura médiatique. Toc, il devient président du Parlement européen. Bon, ça veut dire qu'on a une opposition désormais frontale entre une petite caste européiste qui représente elle-même et puis les peuples. Et la Commission européenne... Et toutes ces personnes, je vous ai dit, ils sont socialistes, libéraux, conservateurs, etc. Ça veut dire qu'on est dans une situation de cohabitation permanente. Le résultat de tout ça, c'est que strictement rien ne va changer. Les élections européennes sont une farce. C'est pour la galerie. Et une fois que la farce est terminée, on passe aux choses sérieuses. C'est exactement ce qui se passe. Alors face à ça, qu'est-ce que nous, on propose ? Nous, on dit qu'il aurait... Vous savez qu'on s'est présenté, on a eu un résultat qui nous a déçus, même si nous avons progressé on était à 0,4 pour les élections européennes de 2014, là on a fait 1,2. Par rapport aux élections législatives de 2017, on est passé de 0,6 à 1,2, on a multiplié par 2. Et donc on est un des rares partis politiques à avoir progressé. Je signale d'ailleurs au passage qu'il y avait 34 listes, ce qui a favorisé un émiettement des listes. Je signale aussi que nous, on nous avait mis dans les pattes la liste de M. Philippon. On allait voir ce qu'on allait voir. Il a eu d'ailleurs 10 fois plus de temps de parole que nous dans les grands médias. Ça ne lui a pas réussi. On nous a mis dans les pattes la liste de M. Lalanne, qui ne représentait personne avant, personne après, mais il a quand même eu droit à participer au grand débat. Donc il a attiré aussi à lui un certain nombre de gens. C'est sans doute pas ce qui lui a apporté le plus de voix, d'ailleurs. Voilà. Bah, et en tout cas, on l'a vu. On nous a mis aussi dans les pattes, si j'ose dire, l'affaire du Brexit. C'est-à-dire que sur le terrain, beaucoup de personnes, de Français, ils se rendaient compte, ça se passe très très mal le Brexit au Royaume-Uni. Mais néanmoins,
Nous avons un peu progressé, et j'en profite pour dire ici que nous allons aller au municipal, pas partout, mais nous avons fait le compte. Nous avons sur les villes de plus de 7500 habitants en France, nous avons dépassé les 1,4% dans 309 villes, et on a dépassé les 2% dans 95 villes. On a également dépassé 3% dans un certain nombre de villes, par exemple je pense à Creil dans l'Oise, et beaucoup de villes en Seine-Saint-Denis, on a dépassé les 2,5%. On va aller aux élections municipales et on va. Là, il n'y aura pas 34 listes. Là, il y en aura 8, 9, 10. Bon, donc, a priori, et là, on essaie. Ça sera plus favorable. Ça sera plus favorable. Mais si nous, on avait eu des députés, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Des députés au Parlement européen. On aurait fait ce qu'ont fait les députés du Brexit. Le parti du Brexit de Nigel Farage, vous avez vu qu'au moment de l'hymne européen. Ils ont fait le premier scandale, si j'ose dire, de la nouvelle assemblée, c'est qu'ils ont tourné le dos à l'hymne européen. Ça a fait un scandale planétaire. Enfin, tout le monde l'a vu. Enfin, si je peux me permettre, c'est très bien pour le good com, mais ça change pas vraiment le schmilblick comme oui, à l'autre. Oui, bien sûr, ça change pas. Mais de toute façon, rien ne change rien. C'est une structure totalitaire. Le pouvoir n'est pas au Parlement européen. Rien ne change rien. Mais ça donne quand même quelque chose. C'est-à-dire que ça fait réfléchir les peuples du monde entier. C'est incroyable. On a rarement vu ça. Si vous voulez, aux Philippines, au Paraguay, on voit à la télévision une assemblée avec 30 ou quelques députés qui tournent le dos au moment où on chante le prétendu hymne national européen. Ça fait quelque chose. Ça a un impact. Bon. Il n'y a eu aucun député français qui a fait ça. Les députés du Rassemblement national, ils sont européistes comme tout le monde. Ils ne pèsent rien. Si nous avions eu des députés, je dis pas que la face du monde en eût été changée, mais moi, je vous assure que moi, j'aurais tourné le dos. On aurait eu trois députés. Les trois députés du Rassemblement national, qui eux sont eux ne font rien. Les trois députés de l'UPR, eux, auraient justement tourné le dos. Alors, je dis pas que ça aurait changé les choses, mais ça aurait montré à la face de l'Europe qu'en France aussi, il y a des gens qui ne veulent plus de l'Union européenne. J'ai vu aussi qu'il y a eu le premier discours de la doyenne du parti du Brexit qui a pris la parole, qui a 71 ans. Elle a fait aussi un discours qui a suscité un tollé général au Parlement européen. Parce qu'il faut envoyer balader tout ça. Elle a dit que c'est une Britannique qui parle. C'est une personne qui a 71 ans. C'est une personne qui, donc, a connu... elle a dû naître à peu près au moment de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est quelqu'un qui représente cette tradition de liberté publique du Royaume-Uni. Elle a dénoncé... Elle a dit que heureusement que les Britanniques allaient sortir de ça parce que c'était comme les esclaves se révoltent contre leur maître. Ça a fait un tollé. Donc nous avons affaire à une structure qui est une structure totalement antidémocratique et on est en train de le voir sous nos yeux. – Alors il y a quand même un point que j'aimerais soulever... Avec vous, on a parlé donc de ces grandes figures qui viennent d'être nommées aux têtes des différentes commissions, BCE, etc., et à la tête du Parlement européen. Mais vous avez évoqué que Macron avait fait sa crise de colère, entre guillemets, pour Manfred Weber, qu'il ne souhaitait pas. Est-ce qu'on ne peut pas se réjouir qu'aujourd'hui, le président français soit capable de poser un veto sur un candidat et qu'il puisse imposer Christine Lagarde ? Non pas qu'il faille se réjouir de la place de Christine Lagarde, mais au moins du fait qu'on a un président français aujourd'hui qui est capable de taper du poing sur la table. Et il faut être honnête, on imaginait mal François Hollande le faire. Or ça reste à démontrer. De toute façon, taper du poing sur la table pour avoir quelqu'un que les autres veulent, ça n'est pas un succès. On présente aux Français l'affaire. Il a réussi à écarter Manfred Weber. Alors, c'est un fait titre de gloire, c'est quand même un peu moins important que l'actuel appel du 18 juin. Madame Merkel, quant à elle, a mis son veto à Michel Barnier. À la présidence de la Commission européenne. – C'eût été mieux ?– Ouais. Non, ça aurait été pareil, mais elle a mis aussi son veto. Donc il ne faut pas dire que Macron l'a emporté. – Non, mais on est plus habitué à voir Angela Merkel à être capable de s'imposer sur le jeu européen que le président français en règle générale. – Oui, mais si vous voulez, ça, c'est une victoire tout à fait cosmétique. Il faut entrer dans le détail. Madame Lagarde, j'en ai longuement parlé tout à l'heure, en fait, c'est une franco-américaine. Alors certains disent qu'elle a la nationalité américaine, elle a dit que non, on ne sait pas, mais enfin, dans sa tête, c'est une américaine. Dans sa tête, c'est une ultra-atlantiste, elle sert les intérêts de l'oligarchie. Elle est française comme ça, superficiellement. Elle ne défend pas les intérêts de la France. Elle n'est pas comme d'autres commissaires qui défendent leurs intérêts. Mais il y a quelque chose qui est extrêmement important. D'ailleurs, on vient de publier un article sur... je viens de publier un article sur notre site sur les principaux dirigeants de l'Union européenne, les 21 principaux postes de l'Union européenne dans tous les domaines. C'est assez spectaculaire de voir
qui, quelle nationalité, à quoi. C'est-à-dire que sur les 21 postes que j'ai pointés, l'Allemagne en a 11, alors qu'il y a 28 pays. L'Allemagne en a 11, l'Italie en a 3, la Belgique en a 3, dont un d'ailleurs. Vous savez que le président du comité européen des régions, qui nous peaufine la politique des euro-régions, le démantèlement, il est également le président de la communauté. C'est un Belge, mais il est le président de la communauté germanophone de Belgique. Il y a 2-3% des Belges qui sont germanophones. Il est président de la communauté germanophone. Il est le président du comité européen des régions. Les Allemands ont maintenant la présidence de la Commission européenne. Ils ont Monsieur Sassoli, il est le nouveau président du Parlement. Mais il est flanqué de Monsieur Welle, qui est le secrétaire général, qui virouille tout, et de son adjoint, qui sont tous les deux Allemands. Il faut savoir que Madame Lagarde, elle va être à la tête de la BCE. Mais elle n'y connaît rien. Elle n'a jamais été banquière centrale. Elle ne connaît rien. Alors sans doute, elle peut se dire que si elle était au FMI, elle doit quand même avoir une idée de ce qui se passe. C'est vraiment différent. Ça n'a vraiment rien à voir avec le métier de banquier central. Mais elle n'y connaît pas grand-chose. Bon, elle est intelligente. Elle va sans doute en comprendre. Mais il faut savoir qu'elle est flanquée de partout par des Allemands. D'abord, ça se passe à Francfort. Ensuite, il y a évidemment au conseil d'administration de la BCE M. Weidmann, le président de la Bundesbank, qui guignait le poste et qui va rien lui laisser passer. Au conseil d'administration, il y a également une autre Allemande qui n'est pas présidente d'une banque centrale. Et puis vous avez le président, enfin le directeur général du MES, du Mécanisme européen de stabilité, qui s'appelle Klaus Regling, qui est un Allemand. Vous avez une dame qui est la présidente de l'Union bancaire européenne, enfin du mécanisme qui vise à l'Union bancaire. Vous avez le président de la Cour des comptes européenne qui est un Allemand. Vous avez le président vous avez donc, quand vous regardez dans le détail, c'est comme Michel Barnier. Nous, sur les 21 postes dont je parlais, il y en a deux à la France. Il y a Madame Lagarde et il y a Michel Barnier qui s'occupe du Brexit. Sauf que c'est un secret de polichinelle que de savoir que M. Barnier, il est un peu comme Madame Lagarde. En fait, il est flanqué d'une Allemande, en l'espèce, Madame Weyand, qui est une teigne, paraît-il, et qui connaît ça très très bien, très très bien par cœur. Parce que moi, je connais Michel Barnier. C'est plutôt quelqu'un d'assez bonasse. Mais donc c'est-à-dire que lorsque les Allemands, en plus, n'ont pas les postes de premier plan, ils ont infiltré le reste. C'est pas moi, d'ailleurs, qui le dis uniquement. Ça grogne partout. Il y a même eu un article de Libération sur le sujet. Le président de l'OE, enfin le général qui dirige l'armée européenne en devenir, l'Eurocorps, c'est le général Veit, qui est un Allemand. Enfin, finalement, si je vous suis, en fait, c'est pas la France qui doit sortir de l'Union européenne, c'est il faut sortir l'Allemagne de l'Union européenne. Mais l'Allemagne est en train de mettre la main sur tout. D'ailleurs, sur ces 21 postes, je l'ai dit, 11 Allemands, 3 Belges, 3 Italiens. Mais les Italiens, ils ont le Parlement et puis ils ont le président, ils ont le Conseil économique et social et puis le système, la personne qui surveille les données. Enfin, il y a un poste comme ça. Ça fait partie de tous les grands postes là, sur la sécurité des données. Bon, c'est des postes qui sont significatifs, mais enfin, c'est pas des postes qui ont le même pouvoir, évidemment, que président de la Commission européenne. Mais finalement, si on suit ce que vous dites, l'Allemagne sait jouer sa partition, oui, les autres pays ne savent pas. Attendez, j'ai pas terminé. Vous avez également un Espagnol, Josep Borrell, qui est donc ministre des Affaires étrangères. Vous avez, mais flanqué par la personne qui est à la tête du service d'action extérieure, qui est une Allemande, flanqué par le général Veil, qui est un Allemand, etc. Et puis vous avez enfin une Irlandaise, Madame O'Reilly, qui est Emily O'Reilly, qui est la médiatrice de l'Union européenne. Fermer le banc. Alors moi, j'aimerais savoir d'ailleurs là-dedans les Polonais, les Slovaques, les Slovènes, les Chypriotes, les Maltais, les Bulgares, les Roumains, ils puent des pieds ou quoi? Enfin, ils n'ont rien. Ils n'ont absolument aucun poste. Et l'Allemagne a trusté, en fait, et truste de plus en plus tous les... Alors, bien sûr, on peut dire les Allemands sont meilleurs que nous. Oui, très bien. Ben oui, alors, il faut en tirer les conclusions. Il faut pas dire, ben oui, ils sont meilleurs que nous, donc on va devenir Allemands. Il faut, enfin, je sais pas, mais il faut quand même se redresser. Ils sont meilleurs que nous, mais pourquoi aussi? C'est parce que ils sont ceux qui payent le plus. Ils ont l'économie la plus dynamique. Et pourquoi ils ont l'économie la plus dynamique? Parce qu'il y a l'euro
qui n'est pas assez cher pour la compétitivité de l'économie allemande, donc qui les favorise alors qu'ils ont l'euro est en train de détruire l'économie française, l'économie italienne notamment, et puis l'économie des pays du Sud. Et puis les Allemands sont également les plus nombreux. Par exemple, au Parlement européen, ce système des Spitzenkandidaten, qui d'ailleurs, comme par hasard, on parle, c'est un mot allemand, c'est assez rare, ce système-là favorise par naissance, par essence l'Allemagne, puisque je rappelle que un des principes fondateurs de la construction européenne, c'est que l'Allemagne et la France étaient à stricte égalité. Et notamment au Parlement européen, à partir de la première élection de 1979, la France et l'Allemagne avaient exactement le même nombre de députés. Et c'est Chirac qui, en l'an 2000, avec le traité de Nice, a accepté un découplage. C'est-à-dire que désormais, l'Allemagne a plus de députés que la France, au motif qu'elle est plus peuplée. Donc avec ce système, vous risquez d'avoir systématiquement, si vous voulez, les Allemands sont favorisés. Donc, et ils ne s'en privent pas. Parce que la grande différence entre l'Allemagne et d'autres pays, et notamment la France, c'est que les Allemands, comme beaucoup de peuples du Nord, ne s'en laissent pas compter. Ce sont des gens qui sont précis. Vous connaissez ce proverbe allemand qui dit « Der Teufel liegt im Detail ». Le diable réside dans les détails. Les Allemands, comme les Britanniques d'ailleurs, et comme les peuples du Nord de façon générale, les Scandinaves, sont des gens qui ont horreur des grandes paroles latines, des peuples latins, vous savez, qui font des grands discours. Eux, c'est, ils regardent minutieusement, ils placent leurs pièces. Et j'ai déjà eu l'occasion de citer cette formidable parole de, c'était Sir Christopher Soames, qui était de la famille de Churchill, et qui avait été ambassadeur du Royaume-Uni en France en 1964 sous De Gaulle. Sir Christopher Soames, qui est un aristocrate britannique, avait fait la diplomatie britannique, et, qui parlait très bien le français, avait dit un jour cette phrase fabuleuse « Il faut toujours nommer un Français à la tête d'une organisation internationale parce que c'est le seul qui ne défend jamais les intérêts de son propre pays. » Voilà. C'est-à-dire que les Français, on se gargarise d'avoir Madame Lagarde, qui n'est française que par la pièce, la carte d'identité, elle ne va pas du tout défendre les intérêts de la France. En revanche, vous pouvez être sûr que l'Allemagne, elle défend les intérêts de l'Allemagne. Alors, je vous remercie pour tout ce décryptage de ces nouvelles figures à la tête de l'Union européenne. Ce que je vous propose, c'est de regarder un petit micro-trottoir. On est allé voir les Français. On leur a demandé s'ils connaissaient ces nouveaux visages et s'ils connaissaient un petit peu les rouages de l'Union européenne. Vous ne serez pas déçus. Qui est le nouveau président de la Commission européenne ? Le nouveau président ? Le nouveau président de la Commission européenne. Je ne sais pas qui c'est, non. Il a été choisi en même temps que Christine Lagarde. C'est une femme. C'est une femme, mais je ne sais pas son nom. Bien sûr, c'est une femme allemande, mais je n'ai pas retenu son nom. Non. C'est compliqué, c'est Ursula von der Leyen. Tout à fait, voilà. Oui. Et Christine Lagarde pour les BCE. C'est une femme allemande qui était ancienne ministre, je crois, c'est ça? Oui. Je sais que c'est une dame allemande. Oui. Voilà. Et la deuxième, c'est Christine Lagarde. Elle a été élue où, elle? Elle, c'est côté banque, finance, ça. Est-ce que vous savez qui a été nommée à la tête de la Banque Centrale Européenne? Oui, ça, c'est Christine Lagarde. Ah. J'ai du mal à retenir son nom, mais en tout cas, c'est pas Michel Barnier, c'est sûr. Je n'ai pas son nom. Bon, en tout cas, vous savez que c'est une femme. Franchement, non. Du coup, Christine Lagarde, vous savez à quel poste est-ce qu'elle a été nommée ? Au must, au plus haut grade. C'était pour la Banque Européenne. Ça, voilà. J'aurais préféré celle qui est au FMI. Christine Lagarde, j'aurais aimé. Elle a été choisie pour la Banque Centrale Européenne. Oui, d'accord, mais elle aurait pu être à la place de l'Allemande. On a une Française pour la banque. Ce qui est génial, c'est que c'est deux femmes. Et je pense que ça va faire avancer les choses. Qui a le plus de pouvoir au Parlement européen entre la Commission et les députés européens? L'Allemagne. C'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a la Banque centrale qui a beaucoup de pouvoir. Et puis Allemagne, France quand même. Je pense la Commission. Je pense. Justement, comment vous expliquez ça? Parce que la Commission, c'est les personnalités qui sont non élues et les députés européens, ils sont choisis par le peuple. Comment est-ce que vous expliquez ça? Le problème, justement, s'il y avait une explication rationnelle, on n'en serait pas dans cet état-là. C'est des députés qui ont été élus qui devraient proposer des lois parce qu'eux, ils ont été élus par le peuple. Donc, c'est eux qui devaient avoir la majorité et de décider à travers ce que les citoyens, parce qu'ils ont des remontées en fait. Donc ces doléances-là, à travers ça,
eux, ils peuvent maintenant statuer. Ce n'est pas aux gens qui n'ont pas été élus de statuer. Je pense que c'est la logique. C'est la commission. C'est l'exécutif, oui, effectivement, ce qui est un peu le problème de l'Europe. Alors François Asselineau, on a le sentiment que les Français entendent un peu parler de l'Union européenne, mais les rouages, quand même, ça leur échappe un peu. Oui, alors votre micro-trottoir, ça n'a pas valeur statistique, mais je pense qu'il est quand même assez juste. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je le dis souvent autour de moi en riant, si vous voulez pourrir une soirée ou vous fâchez avec des amis, vous parlez des questions européennes et vous entrez dans le détail, parce qu'à ce moment-là, les Français prennent dans la poudre des escampettes. C'est tout le problème. C'est ce que je ne cesse de dire depuis 12 ans. La construction européenne est une dictature extrêmement intelligente qui se donne l'apparence d'une démocratie. L'Union soviétique, quand les gens allaient voter, il n'y avait qu'un seul bulletin. C'était pour le Parti communiste de l'Union soviétique. Et là, c'est intelligent parce qu'il y a des votes. On peut voter entre des partis qui font semblant de se chamailler, mais qui, en fait, font exactement tous la même politique. Et les Français ne... Vous voyez, là, votre micro-trottoir, il est révélateur. Les gens ne savent même pas quel est le nom de la présidente de la Commission européenne qui vient d'être... Il faut être honnête, elle venait tout juste d'être élue. Ah, d'accord, mais bon, elle est sur toutes les médias, toutes les radios. Mais plus grave, si vous leur demandiez c'est quoi son pouvoir, et puis si vous commenciez à leur demander et quel est le pouvoir du président du Conseil européen, et quel est le pouvoir du haut représentant de la politique étrangère, etc., les gens savent, ils ne connaissent strictement rien. Donc c'est très grave parce que ça veut dire qu'en fait, le pouvoir a été vraiment transféré à une organisation quasiment occulte. Pas occulte, tout le monde peut aller se renseigner, mais c'est tellement ennuyeux et complexe que les gens ne veulent pas. Donc ils chassent ça de leur champ de conscience et ils se contentent de rester sur les élections nationales où c'est devenu un théâtre. Donc tout ça, ça signe quoi? Ça signe que ça va exploser un jour ou l'autre. Parce que vous ne pouvez pas avoir durablement des peuples qui se voient imposer des politiques qui ne correspondent absolument pas à ce pourquoi ils votent. Donc c'est très habile, c'est très malin. Mais je pense que là, on est quand même entré maintenant dans une phase de nécrose définitive. D'ailleurs, la nomination de ces deux femmes, c'est une rouerie supplémentaire. Bon, monsieur Jean-Claude Juncker, qui était ivre-mort à partir de 10h du matin, enfin qui faisait des scandales. – Le décalage horaire. – Voilà. Oui, c'était la sciatique, le décalage horaire. Il avait fait rigoler la planète entière. Bon, là, on nomme, il faut reconnaître à Madame von der Leyen qu'elle est assez photogénique, elle est assez souriante, c'est une femme, bon, a priori, une femme souriante, voilà, elle est mère de 7 enfants, elle donne une bonne image, c'est mieux que l'autre pochetron. Madame Lagarde, c'est une femme, elle est auréolée d'une réputation extraordinaire en France, hein. Qui est d'ailleurs assez largement infondée, mais c'est vrai qu'elle a quand même fait meilleure figure au FMI que son prédécesseur qui avait été arrêté suite à l'affaire du douche au Sofitel de New York, M. Strauss-Kahn. Bon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les européistes ont peur. C'est que maintenant, c'est leur dernière cartouche. D'ailleurs, Mme Lagarde l'a dit elle-même. Elle a été interviewée le 17 juin, je crois, dernier. Elle s'exprimait à Fukuoka, au Japon. Elle a dit que c'est lorsque les choses vont vraiment, vraiment, vraiment mal qu'on appelle les femmes à la rescousse. Eh bien, c'est exactement ça. Elles vont essayer de redorer le blason de l'Union européenne. Mais est-ce que ça va suffire? Non, ça ne va pas suffire parce que ça ne va rien changer. Ça ne va strictement rien changer. On va poursuivre les politiques, par exemple, de démantèlement de la France, de privatisation à outrance de nos services publics, parce qu'il n'y a pas qu'en France. C'est pareil en Belgique, c'est pareil partout. D'ailleurs, si M. Charles Michel a été viré, le Premier ministre belge, c'est parce que les électeurs en Belgique ont chassé tous les partis au pouvoir. Actuellement, vous avez peut-être vu cette nouvelle de l'actualité. On a appris qu'il y a 400 écoles en zone rurale qui vont fermer. C'est énorme. Ça veut dire une moyenne de 4 par département. Hein, alors que et tout ça, pourquoi? Parce que c'est les demandes de la Commission européenne qui estime... Bruxelles vient d'envoyer une nouvelle admonestation qui estime que le nombre de communes en France n'a pas suffisamment diminué. Et donc ils mettent la pression maximale sur le gouvernement français pour diminuer le nombre de communes en France. Mais de quoi je me mêle?
De quoi je me mêle? Et ceux qui disent « Ah, l'Europe, c'est la paix », mais en quoi le fait de fermer des écoles en zone rurale assure la paix entre la France et l'Allemagne? C'est se moquer du monde. En quoi le fait de privatiser l'aéroport de Paris va assurer la paix du monde? C'est se moquer du monde. On a donc pris en otage la population française avec des slogans pour leur imposer une politique de démantèlement de la France au profit d'une oligarchie, cette même oligarchie qui, d'ailleurs, promeut, une fois que les élections sont passées, leurs agents opérants, c'est-à-dire Monsieur Macron, Madame Lagarde, Madame von der Leyen, et j'en passe. Alors vous expliquez que ça ne va rien changer. Moi, j'aimerais avoir votre éclairage sur ce qui va changer ou pas quant au Brexit. On sait qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne doit élire un nouveau Premier ministre après Theresa May. Tout semble donner Boris Johnson gagnant. Je crois que d'ailleurs, c'est le candidat que vous soutenez. Comment voyez-vous les choses dans les mois à venir, alors que Boris Johnson pourrait tout à fait plaider pour un no deal, comme on le dit? Est-ce que la Commission, est-ce que l'Union européenne va accepter ça? Comment ça va se passer selon vous? Alors, moi, il y a un truc que j'observe, c'est que lorsque David Cameron a fait en 2016, en juin 2016, le référendum. Et que le référendum pour le Brexit s'est soldé par 52% en faveur du Brexit. Conformément à la tradition britannique, il a présenté sa démission. Il a été remplacé dans les trois jours par Madame Theresa May. Madame Theresa May nous explique qu'elle démissionne le 7 juin de son poste de présidente de la commission du Parti conservateur. C'était un mois. Ça va être décidé il y a deux mois avant l'élection de Boris Johnson. Pourquoi? Pourquoi la démission de David Cameron, sa succession est réglée alors qu'il s'agit toujours du Parti conservateur? Pourquoi est-ce que c'est réglé en trois jours? Alors que pourquoi là ça traîne comme s'ils n'avaient déjà pas suffisamment traîné? Pourquoi ça traîne plus de deux mois? Moi, je n'y vois qu'une solution. C'est que d'abord, il y avait plusieurs candidats. Bon, ils ont été évincés. Il n'y en a plus que deux, Boris Johnson et Jeremy Hunt, qui ont tous les deux d'ailleurs été ministres des Affaires étrangères de Mme Theresa May. Il y en a un, M. Jeremy Hunt, qui est un Theresa May bis. C'est-à-dire que lui, il était contre le Brexit, et lui, il a dit que la date du 31 octobre pourrait être repoussée. Vous savez que c'était la stratégie de Mme Merkel. Mme Merkel dit il faut, mais jusqu'en 2053, ils vont négocier, puis jusqu'à ce qu'en fait, les gens finissent par oublier. C'est ça la stratégie de Jeremy Hunt. Et puis, il y a Boris Johnson. Se dit d'ailleurs que Nigel Farage, je pense qu'il va terminer son mandat de député européen. Oui, alors, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, ce que je crains, c'est que les délais qui sont mis pour choisir le nouveau Premier ministre, parce qu'il faut que ce soit les adhérents du Parti conservateur, qui sont 170 000, qui se prononcent à scrutin par c'est une primaire, quelque part. Voilà. Moi, ce que je crains, c'est que si on a mis tant de délais, c'est que l'oligarchie s'est fixée à peu près 7 semaines pour démolir Boris Johnson, pour trouver tout ce qui est possible contre lui. Vous avez eu cette affaire, et il a une compagne, il semble-t-il qu'il y a eu une dispute de ménage, vous avez entendu ça. Bon, il paraît que, alors c'était, j'ai regardé le Telegraph, le Daily Telegraph, qui est le grand journal britannique pro-Brexit, paraît-il que ce sont des voisins qui sont au Parti travailliste, la dame elle est réalisatrice de spectacles, je ne sais pas quoi, qui ont mis des micros à travers les parois, la cloison, pour enregistrer la scène de ménage, qu'on voyait ça au Guardian, qui est le grand journal de gauche britannique. C'est quand même des procédés absolument extraordinaires. Et bon, il y a eu une dispute de ménage. Bon, ça arrive, hein, une dispute de ménage. C'est pas le couple de Boris Johnson n'est pas le seul couple en Royaume-Uni ni dans le monde à avoir des disputes de ménage. Mais il y a eu une orchestration pour essayer de faire penser que M. Boris Johnson est quelqu'un d'un petit peu fantasque, de pas fiable. Bon, ça... S'il n'est pas, son coiffeur l'est, en tous les cas. Oui, alors voilà. C'est vrai qu'il donne aussi des verges pour se faire battre. Nous, on est là, on constate. Entre Boris Johnson et Jeremy Hunt, il vaut mieux Boris Johnson. Parce que lui, il a dit effectivement qu'il était favorable, éventuellement à un no deal. En tout cas, le Royaume-Uni sera sorti le 31 octobre. Donc c'est vraiment, il y a un enjeu de majeur. Alors comme ça, l'affaire de la dispute de ménage n'a pas marché, vous avez vu ce qu'ils ont sorti après? Ils ont demandé à quoi il passait son temps. Alors madame, je crois que David Cameron avait dit qu'il aimait bien faire la cuisine. Madame Theresa May, je ne sais plus quoi, qu'elle s'intéressait, je ne sais pas quoi. À la poterie. Au hasard. Et lui, il a dit... Tenez-vous bien, il a dit qu'il aimait avoir, quand il avait du temps libre, des boîtes en bois sur lesquelles il peignait des autobus à double étage. Alors ça a fait un scandale. Il faudrait l'inviter un mercredi. Mais dans la presse britannique anti-Brexit, ils ont fait des articles là-dessus en disant « Vous vous rendez compte comme il est dingue, voilà à quoi il passe son temps ». Ben,
Tout, ils vont chercher absolument tout, soyez certains, pour essayer, sans compter les sondages. J'ai vu qu'il y a des sondages qui commencent à dire qu'il est en train de baisser, etc. Donc je pense que rien n'est fait, et je pense que l'oligarchie va mettre tout son poids dans la balance pour empêcher que ce soit Boris Johnson. Alors on verra bien. Pour nous, c'est très important. Je dis nous, la France, et nous en particulier, l'UPR, parce que les élections européennes avec qui ont eu lieu en France, nous avons fait un score décevant, mais encore une fois, nous sommes, regardez Wikipédia, par rapport à 2014, il n'y a que deux partis qui progressent, c'est ELV et nous. Bon. Nous avons, par rapport, je le disais tout à l'heure, par rapport aux législatives de 2017, on a multiplié nos scores par deux. En Seine-et-Marne, où on avait eu 3200 voix, on en a 6500, par exemple, etc., etc. Et je n'ai pas parlé de l'outre-mer, où en outre-mer, on arrive parfois dans la septième position et on dépasse systématiquement Monsieur Brossard, pratiquement systématiquement Monsieur Lagarde. Il y a des endroits où on dépasse également l'urgence écologie. On dépasse même Monsieur Dupont-Aignan et on talonne Monsieur Bellamy dans tout l'outre-mer français. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le lavage de cerveau de TF1 et de BFM TV. Nous, c'est ça dont on pâtit. Mais outre-mer, où nos compatriotes ils regardent RFO et ou bien ils vont sur Internet, ben ils ont des informations plus fiables. Et là, on a fait deux fois plus. On a entre 2,2% en Guadeloupe, 2,5% en Martinique, 2,73% à l'île de la Réunion, 3,5% à Saint-Barthélemy, 4% à Wallis et Futuna. Donc on a des scores qui sont quand même tout à fait significatifs et plus que deux fois supérieurs à ce qu'il y a en métropole. Mais pour nous, on ressort de ces élections comme étant le parti du Frexit. Voilà, on est les seuls à avoir fait campagne sur le Frexit. Même Monsieur Philippot ne parlait plus du Frexit. Bon, il avait d'ailleurs, Dans le nom de sa liste, quand même, il y avait Frexit. Oui, mais il l'avait mis en tout petit. Et puis, il parlait aussi beaucoup des questions d'immigration ici et ça. J'observe d'ailleurs au passage qu'il y a des gens qui me disent parfois, il y a des gens qui disent, oui, vous parlez pas assez de ce qui intéresse les Français. Vous devriez beaucoup plus parler d'immigration. Alors, je voudrais dire à ça. D'abord, j'en ai parlé. J'ai fait une vidéo sur le pacte de Marrakech qui en est à 520 000 vues sur notre chaîne UPR TV. Donc allez la voir. Pendant les débats, je suis intervenu sur les questions d'immigration, notamment sur l'affaire des migrants. J'ai fait savoir que personnellement, je trouvais assez incroyable que personne ne parle de l'existence du Haut Commissariat pour les réfugiés, du HCR, qui est une instance de l'ONU. Or, cette instance de l'ONU, normalement, devrait répartir les gens qui fuient les zones de conflit, les réfugiés. Et donc je ne voyais pas pourquoi l'Europe était systématiquement mise en avant, ou l'Italie. Normalement, ça serait le rôle du HCR de recevoir, d'être par exemple en Libye ou je ne sais pas quoi, et puis de répartir ces migrants parmi les membres de l'ONU. Et comme ils viennent de pays... – Donc on comprend bien ceux qui sont éligibles au droit d'asile. Hein. – Oui, ceux qui sont éligibles au droit d'asile. Et par exemple, pourquoi, en plus de ça, ils sont originaires de pays musulmans, pourquoi le HCR n'intervient-il pas pour placer ces migrants en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, au Bahreïn? Pourquoi? Alors qu'ils sont dans la même zone ethno-culturelle et religieuse, et que normalement, étant membre de l'Organisation des Nations Unies, comme d'ailleurs les États-Unis, le Canada, la Chine, etc., tout le monde... pourquoi seule l'Europe devrait-elle prendre son fardeau? J'ai été le seul, par exemple, à parler de ça. Donc on ne vienne pas me dire que je n'ai pas parlé de l'immigration. J'ai d'ailleurs dit que lorsque nous arriverons au pouvoir, nous demanderons aux Français, par référendum, leur avis sur toute une série de sujets, le regroupement familial, etc., etc. Et aussi, nous soumettrons au référendum le pacte de Marrakech que Macron a voté dans notre tour. Donc qu'on ne vienne pas dire qu'on n'a pas parlé. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que nous ne mettons pas ça en devanture, parce que nous expliquons que de toute façon, ces questions migratoires échappent au gouvernement français. Elles sont désormais de nature européenne. Articles 67, 77 et 78 du TFUE. Il y en a qui ont pris des stratégies pour courir après Mme Le Pen, pour taper sur les immigrés, etc. Quel a été le résultat? Monsieur Wauquiez et Bellamy, ils ont pris une gifle, ils ont perdu, par rapport à la présidentielle, 75% de leur vote. Ils ont passé, Monsieur Fillon avait fait 20%, ils ont fait 8,4%. Monsieur Philippot, bon, on allait voir ce qu'on allait voir. Je voyais des gens qui me disaient « Vous allez être écrabouillé ». Bon, il a eu 10 fois plus de temps de parole que nous sur les grands médias. Il a fait moitié moins de voix. Enfin, Monsieur Dupont-Aignan,
Eh bien, il avait commencé la campagne, les sondages le donnaient, paraît-il, à 8. Il a fait un score qui est en retrait très sensible par rapport à la présidentielle et qui est à peu près du même niveau, même un petit peu moins, je crois, qu'en 2014. D'ailleurs, le Front National lui-même, par rapport aux Européens de 2014, a baissé en pourcentage. On ne le signale pas suffisamment. Et je vois en contraire que le parti qui a le plus progressé, c'est le parti de M. Jadot de ELV, qui est ultra-immigrationniste. Donc j'insiste là-dessus parce que nous, on n'est pas du tout immigrationniste. Nous, on veut donner la parole aux Français sur cette question. On dit « c'est aux Français de décider ». Eh bien je dis que cette position, qui est la position du droit, de la justice, parce que nous, on veut – moi, je ne suis pas là pour attaquer nominativement, pour utiliser des boucs émissaires, mais on est là pour appliquer la politique que veulent les Français. Eh bien si vous y réfléchissez, cette politique… Elle poursuit son petit bonhomme de chemin et de plus en plus de Français commencent à comprendre. Malheureusement, votre micro-trottoir le montre, il y a un tel lavage de cerveau par les grands médias. Vous voyez ce que disent les gens sur le micro-trottoir. Ah oui, c'est bien, c'est des femmes. Elles vont faire avancer le schmilblick. Non, enfin, qu'est-ce que ça veut dire c'est... Et puis, Madame Lagarde, elle est bien. Ça me fait penser dans les années 2010, 2011. Tous les Français que je rencontrais disaient « Ah oui, Strauss-Kahn, il est bien ». On ne savait pas pourquoi. Il avait fait que c'était assez désastreux, en fait, ce qu'il avait fait partout. Mais on disait qu'il est bien. Voilà. Et pareil, c'est Madame Lagarde, elle est bien. Donc il y a, je pense, des officines, des opérations de communication, et qui entretiennent comme ça une espèce de fond de sauce. Madame Lagarde serait bien. Madame Lagarde est bien. Elle a été ministre, déférée devant la Cour de justice de la République, reconnue coupable. Elle a fait quoi, Madame Lagarde, quand elle était ministre des Finances? Elle a fait perdre 400 millions d'euros aux contribuables au profit de Bernard Tapie. Elle a quoi? Elle a redressé la France, Madame Lagarde? Pas du tout. Et au FMI, elle a fait quoi, Madame Lagarde? Ah oui, elle a redonné un petit peu de crédibilité à l'institution, mais pour le reste, en quoi est-ce que ça s'est, depuis, d'ailleurs, la croissance mondiale ne cesse de baisser? D'ailleurs, c'est pas de la faute de Madame Lagarde, c'est sans doute le fait que les ressources énergétiques sont limitées et se partagent entre de plus en plus de pays. Déjà, je renvoie aux analyses de M. Jancovici. Bon, Madame Lagarde, voilà, il n'y a aucune raison pour considérer que Madame Lagarde est quelqu'un de formidable. Elle va mener exactement la même politique que celle qui a été menée auparavant par M. Draghi. Point barre. Elle va même peut-être faire encore plus grave parce qu'elle va peut-être vouloir être plus royaliste que le roi, comme on dit en français. En anglais, on dit « more Catholic than the Pope ». Et en allemand, on va dire sans doute plus allemand que les Allemands pour faire respecter la rigueur budgétaire. C'est d'ailleurs pour ça que Mme Merkel et toute l'oligarchie qui est derrière elle, la Bundesbank et tout, ont dû donner leur accord. On dit « bon, avec Mme Lagarde, c'est du gâteau ». Elle va pas changer d'un iota par rapport à la politique de fermeté. Ce qui eût changé vraiment les choses... C'est si, par exemple, il y avait eu un Grec à la tête de la BCE ou un Français qui ne soit pas de l'oligarchie, qui soit à la tête, je sais pas, de la politique étrangère. Là, on aurait pu se dire « Tiens, ça va un petit peu changer les choses », mais tout est verrouillé. – Donc on change pas une équipe qui gagne hein. Voilà. Merci beaucoup François Asselineau, merci d'avoir été sur TV Liberté, merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir eu cet éclairage sur l'Union européenne. N'oubliez pas de liker, partager, commenter cette émission et puis je vous donne rendez-vous.